Salut à tous, c'est Jabodov, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode pardon, de NBA 2K13 donc. Et donc c'est mon premier match avec les Cavaliers. Donc on va jouer contre les Wizards, donc ça va pas être normalement ça devrait être facile pour nous. Pas pour nous, enfin ça devrait pas être trop dur, en tout cas. On va passer ça. Donc là normalement je suis pas titulaire, parce que je viens d'arriver dans l'équipe. Je vais commencer sur le banc, donc voilà. Hein. J'aurai pas énormément de minutes dans ce match, hein, je pense. Donc selon le temps que durera le match, je pourrai en faire un deuxième ou pas. Ok, pour l'instant on mène. Donc plus 7, c'est pas mal. Et je joue arrière, ok super. Je sais pas comment je trouve magnifique le terrain des Cavaliers. Hein. On va commencer tout de suite. Et voilà, tout de suite 2 points, on y va, on se met bien. On se met dans le match, hein, tranquillement. Donc comme vous l'avez vu, hein, là, j'ai pas mis la... Ouh, magnifique. Ouh, j'ai mangé un alley-oop là. Aïe, 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 aïe. Magnifique, hein. Je pouvais pas faire grand-chose, j'ai envie de vous dire, là. Donc j'espère que le premier épisode vous aura plu. Bon, même si j'ai pas fait un gros match, hein, oh oui. Oh, la passe D. Pouh. Ça aussi, c'est une petite nouveauté de NBA 2K13. Donc, Dunk Intensity. Donc là, 50, c'est pas énorme, mais... ça peut atteindre des gros chiffres. Hop hop hop, on va se mettre sur lui. Donc j'ai oublié de changer la résolution de... J'ai pas mis en moyen donc ça a encore un petit peu bugué. Oh putain, il va tirer. Il a raté. Oh le rebond les gars. Et là il va retirer. Non même pas. Wall. Donc je connais pas trop les joueurs des Wizards. J'ai dit je connais pas énormément de joueurs en NBA. Mais bon. Donc je pourrais pas trop vous en parler. Ouf. Ouais c'est pas grave. Ça joue bien pour l'instant. Il va remonter le terrain, donc Irving ça va être le meneur de jeu je suppose. Je vais me mettre à 3 points. Ok c'est trop tard. Très bien joué de la part du joueur qui a marqué. Là c'était assez dur de marquer mais bon il a réussi. On va garder l'autre joueur là. Oh là 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 là, l'interception qui passe pas. Et je vais manger un but. Un but, je suis sur FIFA moi. Un 2 points mais non ça va. Ça va ça va, on va aider. Donc on peut faire des prises à 2 et tout, mais dans le 11 ça donnait des points, mais là ça donne pas de points, donc ça sert à rien. C'était une technique pour monter un peu sa note en fait. Et donc on voit que là je fais pas mal de tours. Donc ça c'est des objectifs pendant le match, donc qu'est-ce qu'un objectif dynamique? Donc ça je sais ce que c'est. Donc qu'est-ce que je dois faire? Cumuler un panier, une passe D, un rebond et une interception ou un contre avant la fin du carton. Ok c'est mort. Donc j'ai déjà fait... Ah non, c'est un nouveau carton ça? Je sais pas, bon... Je sais pas si c'est dans ce carton là que j'ai fait un point et... Ça va être compliqué de faire une passe D et un panier. Hein. Ouh, magnifique. Vas-y, tire, mais... Bah, vas-y, fais la passe. Fais la passe, Kama. Moi, je m'occupe de tout. Donc j'avais 3 ateliers, bon là c'est magnifique. J'avais 3 ateliers à utiliser, donc je les ai utilisés dans 2 dans le tir et 1 dans le dribble. Donc c'est pas très intéressant pour vous que je vous le montre, mais je vous le dis, ça sert à gagner des PC, donc les PC c'est pour augmenter les stats après. Oh là là, on a aucun rebond défensif là. Je vais garder mon joueur le mieux possible. Ok, nickel, voilà. Vas-y, Waiters. Boum. Oh non. Oh là 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 là. Oh, le contre sur un dunk, dommage. Oh non. Ah, ça c'est moche. Et on va dire laisser marquer l'adversaire. Non, ça va. Ouais, il me demande de prendre le joueur au dernier moment. Je peux rien faire, moi. Oh non, j'ai fait une perte de balle. Oh non, 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 non. Ça c'est très mal joué de ma part. Pourquoi je dois garder Wall, le meneur de jeu adverse, quoi. Magnifique. Vas-y, vas-y, Tom. Oh oui! Oh là 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 là, encore! Ah, ils sont pas mal en défense, les adversaires. Hein. Très très bon. Hein. Oh là là, excellent, les mecs. Allez, m'aider. Ouais, c'est bon ça. Je suis content de ce soir. Continue comme ça. Ok, pour l'instant, il est content de moi. Ok, ils sont revenus à égalité. C'est pas super pour nous, ça. Et je joue encore arrière. Ça me fait chier. Faut s'y habituer, hein. Ça va être le cas pendant une bonne partie de la saison, je pense. Pour des joueurs un peu plus bons, enfin, oh ben voilà, il faut que je prenne Crawford à la fin, quoi. Oh oui, c'est moi qui ai eu l'interception, magnifique. Irving, 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 Irving.
Oh non, j'ai raté mon tir. Aïe 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 aïe. Ça, ça va nous coûter les 2 points, ça. Bah voilà, c'est ça. Il passe devant. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, fais la passe. On va tenter le 3 points. Et il passe, magnifique. Voilà, on repasse en tête. 5 points, on est pas. Oui, donc il y a des étapes aussi à faire après. Donc pendant toute la saison, hein. Dépasser les 100 points en saison, enfin, ça vous verrez, ça va se faire tranquillement. Putain. Oh là là. Donc je sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo. Hein. Là je tourne pas mal d'épisodes, comme ça j'en aurai en avance, puisque je vais bientôt devoir réviser pour le bac. Donc. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, la passe. On retente le 3 points. Oh oui! Oh, ça passe pas mal là. Ah, j'enchaîne les 3 points, c'est bon ça. Voilà, 10 points en un match. Alors, ça c'est excellent. Réussir 2 paniers à 3 points en un match. Voilà. Tout ça, ça donne des PC, c'est important. Pour l'instant, je suis à 10 points, une passe D, c'est excellent pour l'instant. Oh là là, mes coéquipiers sont pas dans le match. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent là pour l'instant. Donc mon but dans cette série, ça va être de prendre la place d'Irving pour l'instant. Allez, tire Irving. Bon, il veut pas. On va y aller nous alors. Oui. Oh, magnifique rebond offensif, c'est bon ça. Il est bon le chevelu là. Ouais, vas-y, lève le point, c'est ça. C'est pas une passe D hein, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Oh là là. Ouf. Oh non. Oh oui. Oh oui. Oh oui, vas-y Walton. Oui, une passe des. Non. Ah, dommage. Pourtant, la passe était pas mal. Hein. Un peu hasardeuse et un peu chanceuse, mais elle était bonne. Donc là, on va essayer de lui enlever le ballon, ça n'a pas marché. Donc là, la défense, ça va être un peu les premières stats à monter le plus, parce que c'est très important, parce que là, je suis vraiment pas bon, vous voyez, je suis pas très agile. Donc je vais pas monter les stats en rebond, parce que je vous avoue, je monte assez rarement au panier pour avoir les rebonds. Je tente des passes un peu bizarres. Lui, il a un nom bizarre aussi, Verejao. Irving qui va y aller tout seul. Oh, il a raté, non. Alors, je sais pas si on est en tête là. À la fin de ce carton. Et ouais, on est en tête de 2 points. Bon, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un mec sur le banc pour le troisième carton. Donc l'ambiance du jeu est assez sympa, franchement. Il y a plein de petites interactions à la mi-temps et tout. Puis la musique, hein, la musique est excellente. Hein. Il n'y a rien à dire sur ça, la bande son, elle est incroyable. Voilà, donc là, il faut remplir le rond au maximum, ce serait bien. Ouh. Ah ouais, me faire rentrer à la fin du quatrième carton, c'est un peu... C'est bizarre. Et je joue meneur de jeu, par contre, ça c'est cool. Mais bon, à 32 secondes de la fin, j'ai envie de vous dire que bon... Donc je pense qu'on va faire un deuxième match, hein. On va enchaîner directement après avec un deuxième match. Parce que là, ça fait qu'à peine 8 minutes. Oh oui. Oh oui, la passe des... Oh non, j'aurais dû y aller tout seul. Pff. Ah, j'aurais dû y aller tout seul là. J'ai voulu jouer collectif et avoir une passe D et il a même pas mis quoi. Quel nul. Donc, je vais essayer d'avoir le maximum de récompenses dès le début. Hein, donc, rookie du mois, rookie de l'année et tout ça. Bon, rookie de l'année sera vers la fin, bien sûr, mais. Oh zut. Oh là là. On peut pas laisser ça. C'est n'importe quoi. Bon bah j'ai fait un bon tir. J'aurais pas fini le match avec un C+, c'est dommage. Donc ça fait 9 minutes de vidéo, on va refaire un deuxième match. Hein. Voilà. Combien de PC on a gagné? Ça c'est le plus important. Multiplié par 2, ah c'était un match clé donc. Ah dommage, bon. Bah j'ai pas fait énormément mais c'est déjà pas mal. 28, 56, bon c'est pas mal. C'est pas énorme, hein, je vous avouerai. Si tu avais beaucoup mieux je pense. Je trouve stylé mon joueur. Hein. Donc on va quitter le match, on va faire la conférence de presse. Comment ça va se passer alors? Comment évaluez-vous votre prestation après votre tout premier match en NBA? Ce match me sera. J'ai joué intelligemment.
Je me souviens à peine du match. Ce match me sera profité. Je vais devenir une légende. Ouais, ça... Je vais jouer intelligemment, on va dire. Voilà. Nickel. L'entente dans l'équipe qui monte. Les fans qui bougent pas. Et les soutiens des fans qui montent. Excellent, excellent, excellent. Donc, je vais vous montrer un peu Twitter aussi. Ça passe. Hein. C'est un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu. Ah, j'ai trois nouveaux quoi. Followers? Non. Félicitations, vous avez réussi l'étape disputer un match en NBA. Waouh! Alors, donc qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous avez joué, vous avez été génial, il me tarde de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Ah, sympa. Si vous gagnez de 12 points, de quoi je vais pouvoir me plaindre, lol. Premier pas, une billet correct pour The Modov. Ce soir, il doit être content d'avoir pu mouiller le maillot, je suis sûr qu'on le verra bientôt beaucoup plus. Donc pour la c'est ça que je vous parlais, donc les fans célèbres. Hein. Donc là pour l'instant, j'ai... Oh, célébrité Darren Rebel qui me suit. Donc là, il y a des joueurs qui me suivent, hein, Kid Gilchrist, Robinson, Barnes, Bill, bon, il n'y a personne que je connais. Terence Ross, non, je connais pas, bon, pas beaucoup de joueurs que je connais, mais c'est pas grave. Non, on va pas utiliser ça, on va peut-être monter, attendez, mes chaussures, non, équiper. Ah, amélioration du joueur, voilà, c'est ça. Ah, ça a changé, donc, tir intérieur, non, c'est pas ça que je veux, la défense, voilà. Alors interception. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit nos PC en bas. Donc j'en ai 259, donc on va monter défense sur le porteur. Je pense que c'est ça qu'il faut monter. Voilà, plus 5. Voilà, on va monter un peu la défense sur le porteur, c'est très important ça. Parce que la base de NBA au début, ça va être de bien défendre et ensuite pour pouvoir avoir des bonnes notes, c'est très important, c'est d'avoir des bonnes. Bonne défense. Donc on va enchaîner avec le deuxième match. Je sais pas contre qui je vais jouer. On va voir. Hein. Donc là on voit popularité 46%, entente 51%. C'est ça, c'est l'entente dans l'équipe et la popularité, c'est avec les fans donc. 46% c'est pas mal. Hein. Tout le monde ne m'aime pas apparemment. Bizarre. Comme c'est bizarre. Voilà, hein. Jay-Z hein. Sera partout dans les musiques, c'est normal. Hein. Producteur du jeu. Ah, pas producteur, je sais plus ce que... Bon bref, il a participé quoi. On va passer. Franchement, cette cinématique là, c'est dommage d'aller... Ouh, on joue contre les Bulls pour commencer. Pour le deuxième match. Aïe, 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 aïe. Là, ça va être un peu plus compliqué. Ok, d'accord. Ok, ça va être un peu chaud. Surtout, il y a Noah en face quoi. Qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs là, honnêtement. Le petit français. Bah voilà, il prend l'entre-deux. Ok, on commence sur le banc et on paie. On gagne de plus de. Je suppose qu'ils vont me faire jouer arrière. Tout à fait. Vous avez vu que j'ai pas changé la résolution. Je suis un imbécile. Bon, je tente un 3 points un peu bête, c'est pas grave. J'aurais bien aimé commencer par un 3 points ici, mais bon. Oh putain. Bon, c'est pas grave, je le prends pas moi. Oh là là, Rose. Très très dangereux, Rose. Non, 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 non. Ouais, c'est moche. Vous avez vu ça, je suis à l'autre bout du terrain, ils me disent de prendre un joueur, quoi. Donc je sais pas trop ce que c'est le bonus, là. Quoi? Il me fait déjà sortir, quoi. Mais pourquoi? J'ai même pas joué. Bon, il gagne toujours, hein. Ah, je suis meneur de jeu. Oh là là, ils me cassent les reins, les mecs. Oh là là, il prend tous les. Pff, aïe aïe aïe, Noah qui nous fait un dunk. Rebond là, offensif et boum. Dunk. Vous verrez pas souvent dunker au début du jeu. Même plus tard, je pense que ça va être compliqué pour moi. Parce que je vais pas monter ça comme stat. Non, c'était pas pour lui. Oh là là. Vas-y, fais la passe. Je fais un peu n'importe quoi avec le ballon. Ouais. Non, je voulais pas faire la passe. Fais la passe, Zeller. Non, il va tirer à 3 points. Pff. Aucune chance. Aucune chance. C'était évident, il avait aucune chance, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je fais n'importe quoi en ce début de.
en début de match. Il faut que je fasse tout de suite impression, c'est ça le problème en fait. Parce que j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Oh là là, on prend tout. On est en train de prendre l'eau là. Zeller qui fait un peu n'importe quoi. Bon, ça va, ça rentre. Il tente un peu des trucs un peu bizarres, hein, honnêtement là. Bon, moi aussi je fais pas des passes excellentes. Hein. Eh, il m'énerve lui, tu m'énerves toi, putain. Oh putain, je me suis pris un écran et voilà. Ouais, c'est facile. Facile. Faudrait que je mette à 3 points, égaliser avant la mi-temps, ouais. Ouf, j'ai fait une perte de balle, mais il la récupère et il marque, ça va. Ouh là 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 là, ça m'a fait très très peur. Donc lui, on va le garder là. Ce qui m'énerve depuis tout à l'heure. Ouf, l'interception qui est ratée. Oh là 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 là, le... lui là, il est en train de scorer depuis tout à l'heure là. Oh là 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 là, n'importe quoi. Ah, je fais n'importe quoi, perte de balle, d'accord, ok. Ok, là je suis en train de faire vraiment n'importe quoi. Allez, allez, on se concentre un peu, on va essayer de pas faire de bêtises. On va essayer de jouer simple. Oh oui. Voilà, mes deux premiers points, ça va peut-être m'aider à me mettre dans le match. Hein. Très important que mon joueur soit en confiance. Oh là là. Ouh, j'ai failli enlever le ballon. Ouh. Oh, magnifique. Passe déviée. Walters, remets-la derrière. Oh non, mais... Ah, il y a faute sur tir, ok. Super. Donc là, je sais pas si ça compte comme une interception, du coup, ça... Combien il a? Ah ouais, il a pas énormément. Ça va, il a mis. Objectif rempli, égalisation, nickel. Ah, c'est toi, je te rappellerai quand je serai prêt à te revoir. Bon, lui, il m'énerve par contre. Ok, 50 à 46, c'est pas super, c'est pas super, c'est pas grave. On joue quand même contre les Bulls, hein, faut faire attention. Hein, c'est pas du tout une petite équipe. Alors. Qu'est-ce qu'ils vont nous parler? Donc à la mi-temps aussi, j'avais vu que dans NBA 2K13, on pouvait, des fois il y avait des donc plusieurs matchs et ils nous demandaient de choisir tel ou tel et ça nous faisait gagner des PC. Donc je sais pas à quel moment je pourrais accéder à cette option là, c'est sympa. Donc là ça va, il me fait rejouer. Meneur de jeu, c'est sympa aussi ça de sa part. J'aimerais qu'il me fasse un peu plus confiance à ce poste là. Même si je lui ai pas donné raison de... Oh, il est tout seul les gars, mais non. Ouais, donc c'est moi qui remonte le ballon. Vas-y Zeller, vas-y fais la passe, fais pas chier. Magnifique 3 points, boum. Voilà, ça fait plaisir quand ça rentre. Hein. Faut pas trop s'enflammer par contre, parce qu'après on fait ce que j'ai fait à l'autre match quoi. On en met plusieurs, après on se sent pousser des ailes et on essaie d'en remettre. Ça rentre pas ça, voilà. Oh oui! Oh non! Ah, il l'a récupéré, ça va. Vas-y, Zeller! Oh là là, non, faut le mettre celle-là, les gars! Oh, putain, c'est n'importe quoi! Pourtant, ma passe était pas mal, hein. Je pensais pas qu'il l'aurait. Hein. Je joue peut-être un peu trop collectif. Hein. En même temps, j'ai pas fait de passe D encore dans le match. Je suis quand même. Oh putain! Oh, oh magnifique! Non mais donne-moi le ballon, non? D'accord, Walton. Non, c'était, ouais, c'était trop, ouais, tir forcé, voilà. Bon repli défensif, c'est toujours ça de prix. Bon là, on se fait un peu bouffer, je fais un peu... Je sais pas si c'est vraiment de ma faute de donner l'avantage à votre équipe. Ouais, ça va être compliqué de donner à... Ça va être compliqué, ce qui me... Appelle trop la balle? Mais LOL! C'est n'importe quoi, ça. Oh là là, ça va, il a pris le rebond offensif.
C'est moi, oh là là, je mérite pas ça honnêtement. Et là ils m'ont enlevé plein de points parce que j'avais trop demandé la balle, mais je suis meneur de jeu, alors, j'ai le droit de la demander la balle quand même. Ah, le 3 points qui rentre, ça fait mal. Plus 6 pour eux. Ça se complique de plus en plus. Hein. Et puis moi je tente des tirs un peu, bah, voilà, n'importe comment. Pff. Je suis un peu déçu de mon jeu là, honnêtement. Plus pour vous que pour moi, parce que du coup je vous propose pas grand chose. Oh oui. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est dommage que je puisse pas dunker parce que là ça aurait pu être parfait. Faut toujours être prêt à aller en contre-attaque. Hein. Les vos coéquipiers n'hésitent jamais à vous faire une passe assez, aussi comme ça, assez longue. Oh là là, l'interception. Je rate. Ok, là c'est sûr qu'il allait lui faire les passes. Est-ce qu'il va lui rendre? Ouais, voilà, il va lui rendre. Oh non. Ouais, parfait. Je sais pas s'il va nous faire une passe D du coup. Bon. On est revenu à moins 2, c'est pas mal. Ok, donc là les poufs poufs bien, ouais, on arrive. Ah, ça c'est magnifique, le voilà, perm. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien aussi. Des petites affiches comme ça publicitaires. Donc Jordan aussi est... Ah, si toi je te rappellerai quand... Oh, ouais, donc la bulle ne monte pas du tout, la car. Je doute qu'il me rappelle, voilà, il me rappelle pas avant la fin du match, super. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un troisième? Je pense pas, non. Non, on n'aura pas le temps de faire un troisième match, donc c'est pas grave. Hein. Donc là, j'aurais pas gagné non plus beaucoup. Ouf, heureusement que l'objectif dynamique 2 a marché. Super. D'accord, bon bah c'est pas grave. Hein. Bon, c'est pas grave, on fera que deux matchs. Je vous aurais pas monté du niveau, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais juste vous... On va juste faire la conférence de presse et on va se laisser. On va se laisser sur les tweets. Je vais lire quelques tweets aussi. Donc là, ça va pas être fameux, je pense. Je vais éviter de me vanter dans cette conférence de presse parce que j'ai pas fait un gros match. Le scénario du quatrième quart-temps, c'est plutôt cruel. La victoire vous échappe d'arrière ce soir. D'après vous, c'est plutôt votre équipe qui a perdu ou vos adversaires qui ont gagné? Ils ont gagné, ils m'ont neutralisé, bravo. Un peu des deux, je pense qu'ils m'ont au prochain match. Voilà. Ok, d'accord, je parle de soutien des fans. Super hein. C'est pas grave. C'est pas très important, c'est pas grave. Voilà, donc on va voir les tweets. Donc là, il y en a trois. Les vestiaires des Cavaliers a dû être particulièrement calme après ce match. Pas de panique, Zemodov. Ton équipe va rebondir. Cruelle défaite pour les Cavaliers face aux Bulls ce soir. Accroche-toi, Zemodov, rien n'est perdu. Les efforts fournis par Zemodov n'auront finalement pas suffi à sauver les Cavaliers qui se sont inclinés 90 à 86 face aux Bulls. C'est vrai que c'est pas très bien représenté parce que j'ai pas fait un mauvais match. Hein. La note ne représente pas vraiment le match que j'ai fait parce que j'ai quand même fait 7 points. Bon, j'ai fait pas mal de. Ouais, non, j'ai fait pas mal de fautes aussi, ouais. Bon, c'est pas grave. Et on voit que j'ai 21 411 fans. J'espère que ça montera un peu plus. Pas de nouvelle star qui me suit. Donc je vais vous laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter pour participer à la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Dans la description, mon Twitter pour discuter un peu plus. Ma chaîne Twitch TV si vous avez envie de me suivre dans mes lives. Ainsi que ma page Facebook pour suivre les horaires, les dates, et etc. de mes lives. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.